Bye. Pour cette semaine, en fait, je me suis fait une petite to-do list de ma semaine dans ce petit cahier, je pense qu'une de mes abonnées m'a donné. So, thank you! Mais dans le fond, ouais, je vous conseille vraiment de faire ça. Ça va être une semaine vraiment chargée ou peu importe. Planifiez-la d'avance et non pas comme chaque jour à la fois parce qu'on dirait que c'est vraiment moins stressant. Puis là, on est lundi. Tout ce qui est en rose, en fait, c'est tout ce qui est examen et travaux à remettre. But this is today. So today, pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai à réviser en fait un des PowerPoints que j'ai à remettre pour un projet demain. Donc c'est pour ça que c'est on top of the list. Ensuite, j'ai à réviser pour un examen que j'ai mercredi. J'ai droit à mes notes, mais juste savoir un peu la matière, ça l'aide. Puis sinon, j'ai à finir en fait un projet que j'ai à remettre vendredi. Un projet écrit de genre 25 pages, mais c'est en équipe. Mais ouais, fait que j'ai deux paragraphes à écrire pour finir ma partie. C'est quand même une grosse journée, mais on va le faire, you know? Je suis en train de me maquiller parce que ça m'aide sometimes à... J'aime juste ça en fait, puis c'est juste pour ça. Ouais, cette semaine, juste pour vous recevoir, j'avais fait une commande de livres. Si vous voulez me suivre sur Goodreads pour savoir les livres que je lis et tout ça, je vais le laisser en fait dans la description. Le lien va être là. Si vous saviez pas, je me suis donné comme défi de lire 10 livres cette année. J'en ai déjà lu 5, fait que c'est je suis comme choquée de moi-même. Fait que peut-être je vais en lire plus que 10, mais je voulais au moins me mettre une petite base. Je voulais pas non plus que ça soit trop gros puis que je me décourage. Fait que c'est ça. Mais là, on dirait que je découvre de plus en plus de livres un peu partout. Fait que, tu sais, comme on dirait que j'ai toujours. J'en rajoute toujours plus aux livres que je veux lire. J'ai toujours de quoi lire, si on pourrait dire. Fait que c'est ça. So, il est rendu 4 heures. Puis, honnêtement, je suis juste. Motivée de travailler en fait. Il me reste. Ben en fait, techniquement, il me restait à réviser pour mon examen. Mais on dirait que je fais vraiment pas à faire de la révision en ce moment puis d'essayer d'assimiler de l'information. Fait que j'avais peut-être prévu faire à la place quelque chose que je supposais faire le mardi. Anyways, je suis en petit break. Je prenais mes new favorite chips. Dans le fond, c'est des Doritos, mais. Fromage nacho et picosso. That's the good stuff. Ça va partout par exemple. En ce moment, mais il fait vraiment pas beau. Je pense qu'il va pleuvoir, je suis pas certaine. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit, je vais étudier en fait. Ben, je vais préparer un petit peu. Je vais me préparer pour mon examen de demain, en général. C'est ce que je vais faire. Fait que c'est ça. Puis c'est pas mal ça que je vais faire de ma journée parce que je voulais pas avoir à me stresser et à faire d'autres choses. Fait que that's it. Fait que là, j'allais me faire un petit café parce que I love it. Tellement mal mis une chandelle. Je sais pas si ça va marcher. Oh, oh my god! Wow! Ok. Alors, petit update. J'ai trouvé comment j'allais comme faire ma révision. Bon, en fait, je vais plus me faire un guide pour durant l'examen, en fait. Donc, j'ai mis chaque information du PowerPoint et de ce qui pourrait être à l'examen ici. Puis j'ai mis la page du PowerPoint à côté. Comme ça, ça va être plus facile pour moi de me diriger. Puis en même temps, en faisant ça, ça me fait réviser aussi. Puis quand même, genre ce soir ou pendant la journée aujourd'hui, je vais quand même revoir tous les PowerPoints.
Hi! Ça fait un petit peu qu'on s'est pas vu. Donc pour le reste de l'après-midi, j'ai continué à étudier, mais vers 3h, j'avais juste plus le goût en fait. Fait que je suis allée sur Netflix, and now we're back. Parce que j'ai un cours à 6h. 6h, oui. Il est maintenant 5h45. Donc j'allais me préparer pour ça. C'est mon dernier cours sur Zoom pour le reste de l'année, espérons. Mais déjà, tu passes mes journées dans ce bureau. Espérons que ça soit différent la semaine prochaine quand j'aurai fini l'école. En fait, honnêtement, aujourd'hui, j'avais juste le goût de prendre ça un peu relax, puis plus, tu sais, comme faire mon examen. Puis après ça, il va me rester. J'ai un truc à mettre demain en fait que j'ai pas encore terminé. Mais je sais que ça va pas me prendre plus que 1h30 demain à comme peut-être terminer. Fait que ça se fait bien. Fait que je me suis fait un petit thé. Parce qu'on dirait qu'hier, on dirait que le café, il m'a un peu tombé sur le cœur sur l'après-midi. Fait que genre, on dirait que j'ai comme plus le goût d'en prendre. J'avais pas qu'il me reste legit 3 jours d'école pour finir ma première année à l'université. C'est quand même très cool. Yeah! By the way, j'avais pas dit, mais hier, j'ai fait une commande sur Artia. Fait que je vais vous montrer. Legit, tout ce que j'ai acheté, c'est blanc. C'est quand même drôle. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai le Oversized Crew ici, que je voulais, ça fait un petit bout. Fait que voilà, j'ai pris la size 3 parce que c'est le, ça va donner comme le oversized look. Et puis j'ai pris des petits shorts comme ça parce que j'adore, j'ai vu souvent sur Instagram. Puis je pense pour cet été, ça va être vraiment fun à avoir. C'est quand même un basic. Puis aussi cette camisa là, c'est un basic. Hello! Bon, j'ai fini mon examen. Ça l'a bien été, mais dans le sens que je trouve que, ben je suis pas toute seule en fait, beaucoup des gens de mes amis trouvaient qu'on manquait de temps pour faire l'examen. Fait que, à voir ce que la prof va nous dire, j'ai reçu un livre que j'avais commandé de chez Indigo. Honnêtement, le livre est vraiment cute, il est tout rose, c'est un roman. Et oui, je vais mettre les mains après. Oh my god, il est bien gros. Non, c'est... Ah, hein? Ah, mais non, c'est même pas lui. Attendez, je suis confuse, c'est pas... J'avais commandé 2 livres sur Indigo, mais c'est même pas lui que je pensais. Ah ben, anyways, that's fun, parce que je pensais que ce livre-là allait arriver en juin, so that's confusing. En plus, c'est un livre en français. Hey! C'est Marie-Christine Chartier, L'allégorie détruite arc-en-ciel. Je cherchais justement un livre français, mais en fait québécois à lire. Puis je suis tombée en fait sur lui, sur Goodreads, puis en tout cas, la majorité de mes amis qui l'avaient lu, c'était, il avait donné des bons reviews. Fait que, puis j'aimais aussi l'histoire, je trouvais que ça a l'air cute et tout, fait que, I got this one. Je sais pas si je vais filmer plus aujourd'hui, mais... Est-ce que vous êtes tannée d'être au bureau? Moi aussi. Mais bon. Ah! Il reste 2 jours. Cheers! Bien, je suis de retour au café. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai probablement une addiction à this point. Mais en tout cas. Aujourd'hui, on est jeudi. Et puis, aujourd'hui, en fait, il m'a juste... Mais en fait, ok, techniquement, il reste 3 trucs à remettre. Mais j'ai déjà fini ma partie pour ce qui est de... mes trucs à remettre demain. Fait que, en fait, il me reste à faire mon travail que j'en remets aujourd'hui. Fait que là, on est le matin, fait que ça devrait pas être trop pire à faire. Il me reste comme peut-être 1h30 de travail à faire. Fait que si je me donne, on va être correct. Anyways, les finals, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. C'est rien de full excitant, mais vous aimez quand je fais des vlogs en lien avec l'école parce que ça a l'air que ça vous motive aussi. Finalement, je vous comprends parce que moi aussi, j'aime ça regarder des vlogs, you know, school related et tout ça. Attendez, on boss pour moi. Hi! So, j'ai eu, je pense, une portion de ma commande d'Artia, je pense. Ok, on va vraiment rien, en tout cas. Anyways, very cute.
viens de terminer mon projet. Hier, j'ai commencé à lire l'allégorie des truites arc-en-ciel. Je vous avais montré hier que je l'avais reçu et que j'aime vraiment ça. C'est super bon. J'ai déjà lu environ 70 pages hier soir. So, yeah. Fait que là, je vais accompagner ma mère parce qu'elle a besoin d'aller faire une commission, mais je vais rester dans l'auto, là. Je vais pas débarquer ou rien. Des gens qui passent. Hi. Also, vu qu'on va pas au Starbucks super souvent, je me suis dit que j'allais me garder un biscuit au brésil de chocolat pour plus tard parce que je pense que c'est mes biscuits au chocolat préférés. Ben, aux pépites de chocolat en tout cas. Préférés. Yeah. Je sais pas de quoi d'autre vous parler. Fait que. That will be that! If this ain't me. Si vous êtes fan de Taylor Swift, like me, on fait un petit débat dans les commentaires. Pas un débat en fait. Pas un débat, mais juste opinion, time. C'est quoi votre album préf? Mais après pratiquement 3 ans, je pense, que Reputation est sorti de Taylor. Juste le vibe de l'album, comme à quel point cet album est juste comme tellement genre badass, mais en même temps so soft and delicate. Mais bref. Alors aujourd'hui, on est vendredi, puis évidemment, c'est ma dernière journée d'école. Fait que aujourd'hui, dans le fond, comme vous avez pu voir ce matin, j'ai révisé un petit peu, comme une dernière fois, les textes que j'ai à remettre aujourd'hui en équipe avec mes amis. Fait que c'est pas une journée trop chargée. Pour vrai, en fait, il me reste encore à faire un autre petit truc pour une autre classe, mais on a jusqu'à demain soir pour le faire. Parce que dans le fond, aujourd'hui, les plans, c'est que je vais aller porter... en fait, de la nourriture chez ma grand-mère parce que vu qu'elle a 70 ans et plus puis qu'elle peut pas sortir vraiment pour aller faire l'épicerie et tout ça, on va le faire pour elle. Ben, ma mère va aller le faire puis je vais l'accompagner, sauf qu'on n'est pas en contact avec elle du tout. Là. Il y a un intermédiaire entre nous, mais ça va juste donner une chance de lui dire allô de loin. Puis on y va vraiment pas souvent, là, vraiment juste quand elle a besoin. Pis sinon, ben, on se fait des FaceTime et c'est ça. Donc, en fait, là, avant de faire tout ça, je voulais vous montrer, j'avais reçu, j'avais commandé en fait des souliers Nike parce que les miens, oh, sont beaux, parce que les miens sont vraiment rendus dégueulasses. Il y avait juste un trou dans mes souliers. Voilà, c'est des 8, c'est ça. Si je les trouve peut-être sur internet puis que j'oublie pas, je vais les mettre dans la description. Bon. Ma mère voulait absolument aller chercher quelque chose. De. Comment on dit ça? Glacé. De glacé. Glacé. Puis là, il n'y avait pas de crème glacée au McDonald's. Fait que là, on est au Wendy's. Puis elle va chercher un. C'est quoi ça? Un Frosty. Frosty, c'est ça. Queen. Personnellement, je me suis fait un iced coffee at home. On a vraiment été blessed avec la température cette semaine. Je voulais juste dire ça. Et je vous souhaite bonne chance dans vos examens et vos cours en ligne. We can do it. I did it. I did it. I'm done. Kind of. Fait que. Un petit Frosty, s'il vous plaît, à la vanille. Je vous envoie de la chance. Puis j'espère que ce vlog va vous motiver à continuer à travailler. Ok, bye! Enfin, je pourrais mettre fin au vlog ici. Fait que, peace!